Hugo, ce match face à Marseille se présente bien parce que vous avez gagné à Monaco, vous êtes rassuré. On n'est pas assuré, mais c'est vrai que ça nous fait du bien de gagner à Monaco. Là, je crois qu'il y a plus d'ambiance dans l'équipe, dans le staff. Et ça se vient. Après, on va avoir un match difficile contre Marseille. On sait qu'est-ce que c'est jouer contre Marseille. Et c'est pour les supporters, pour nous, c'est un match important. Donc, on va tout donner. Important pour eux aussi? Oui, bien sûr que c'est important pour eux aussi, mais voilà, là, on va parler de nous. Ça peut être un avantage, justement, Diego, ce qui se passe à Marseille, pour vous, qui êtes plus libéré grâce à votre victoire à Monaco? Non, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas Marseille, ça m'intéresse Bordeaux, donc la situation de Bordeaux, je vais parler de Bordeaux, et là, comme je l'ai dit, on va tout faire pour gagner ce match, et ça va être pas facile. C'est un nouveau Bordeaux, beaucoup de rigueur. C'est le même Bordeaux, mais voilà. Et là, c'est les mêmes joueurs. Ça change le staff et c'est tout. Après voilà, il y a des entraîneurs qui demandent quelque chose. Il y a des entraîneurs qui ont un style, il y a des autres qui ont un autre style. Et voilà, on essaye de toujours comprendre et de faire le maximum, nous, les joueurs. Il y a beaucoup de travail tactique quand même à l'entraînement. Oui, c'est vrai que là, il y a beaucoup de travail tactique. Et je crois qu'on a amélioré le travail défensif. On est plus solide, on est plus compact. Et là, je crois que ça, c'est bien pour nous. C'est le même état d'esprit qu'à Monaco qu'il va falloir avoir? Oui, je crois que oui, il faut avoir le même état d'esprit parce que c'est très important et on va essayer de faire le maximum. Tu disais il y a plus d'ambiance, ça veut dire quoi? C'est à l'entraînement, la vie du groupe? Oui, voilà, dans l'entraînement aussi, parce que quand tu gagnes un match, on est tous contents et t'es heureux, donc voilà, là, il n'y a plus d'ambiance forcément parce qu'on a gagné contre Monaco. Pour le premier match du nouvel entraîneur contre Bastia, tu as été capitaine. Comment tu as vécu cette expérience? Est-ce que tu as pris une autre dimension dans le groupe? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Non, il n'y a rien changé. Là, je suis le même. Voilà, et le coach il a pris la décision de mes capitaines. Ça m'a fait le plaisir, comme Mamie Sagnel. Donc, voilà, quand je suis capitaine ou quand je ne suis pas, j'essaye de faire la même chose et voilà, d'échouer de la même façon. Là, il y a de plus en plus de joueurs aptes à jouer sur ces dernières semaines. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de concurrence? Oui, pour nous, c'est bien parce qu'il y a des joueurs blessés qui reviennent. Là, il y a presque que tous les groupes et je crois que ça, quand tu es entraînant, je crois que c'est bien parce que tu n'as plus de choix et voilà, pour nous les joueurs aussi. Il va falloir se battre à l'entraînement pour gagner sa place. Oui, mais toujours. C'est bien parce que personnellement, peut-être tu montes ton niveau et ça, c'est super pour tous. Diego, Marseille n'a plus gagné au Vélodrome depuis longtemps. Est-ce que vous, les Girondins, vous redoutez d'être la première équipe, entre guillemets, depuis un moment à ne pas gagner là-bas, ou en tout cas à perdre? Non. C'est vrai que je ne sais pas. Pour moi, à mon avis, Marseille, s'il gagne pas, ça ne m'intéresse pas. Nous, on va faire nos matchs et si on part, c'est le football. Hein. Mais on va essayer de gagner, mais voilà, il faut pas que nous on dise oui, Marseille ils sont pas bien, ils sont bien, machin. Nous on va faire le match de Bordeaux et voilà, on va essayer de faire le maximum après. Ils ont battu que Troyes et Bastia à domicile. Est-ce que vous avez dans l'idée de ne pas être l'équipe qui va relancer l'OL? Je répète, ça ne m'intéresse pas si Marseille gagne ou gagne pas. Nous, on va faire le match de Bordeaux, on va jouer. Et après, le moment de Marseille, c'est à où. Nous, il faut savoir la situation de Bordeaux. Nous, on n'est pas bien aussi, donc il faut se battre et ça va être un match difficile. Vous gardez une certaine humilité en vous disant que vous revenez de loin et que... Pardon? Vous gardez
une certaine humilité. Vous ne dites pas, vous voyez pas plus beau que vous n'êtes en vous disant vous êtes, vous revenez de loin et que finalement tout ça, ça reste quand même fragile. On s'emballe pas et on reste humble, c'est-à-dire qu'on reste. On sait où on vient, on va rester tranquille et voilà, on va sortir de là que pour le travail. Mais en même temps, vous savez, après la victoire de Monaco, que si vous avez un bon résultat à Marseille, pour Bordeaux, ça marquerait peut-être le début d'une série et quelque chose de très important. Oui, c'est vrai qu'on est conscient de ça, que si on gagne, on peut partir, on peut bien partir, on peut monter aussi dans le classement. Donc ça va être un match important et voilà, il faut faire le maximum, il faut tout donner. Et là, on a bien travaillé, on a bien bossé dans la semaine. Demain, ça va être plus un travail tactique, je crois, pour préparer le match. Donc, voilà. C'est difficile de jouer deux fois à l'extérieur, en plus deux grosses équipes. Oui, c'est difficile. C'est deux grosses équipes, tu l'as dit. Et voilà, c'est pas facile de jouer à l'extérieur. Et voilà, mais nous, il faut être dans le même état d'esprit qu'à Monaco. Et je crois que si on est comme ça, on peut faire quelque chose.